vous dit le nom? Mon frère. Pas un. Bonjour. Bonjour. Amen. Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. C'est la grâce qui nous a trouvés dans la présence de Dieu. Amen. Et nous passons directement à la parole de Dieu. M'encourage chacun d'entre nous d'ouvrir le livre de Matthieu, le chapitre 2, le verset 23. Amen. Le livre de Matthieu, le chapitre 2, le verset 23. Un passage qui vaut vraiment encore plus le contenu. Amen. Gloire à Dieu. Et ce matin, vous tenez encouragé malgré les épreuves, malgré les circonstances, malgré les situations, vous connaissez qui tu es avec nous. Amen. Amen. Et Dieu peut faire des grandes choses pour nous. Donne-nous la vie. Le livre de. Pardon. Le livre de Matthieu. Le chapitre 2, le verset 23. Matthieu, le chapitre 2, le verset 23. Pour faire la lecture de la parole. Vous voyez bien, c'est du verset 22. Amen. Amen. Vous voyez bien, à partir du verset 22. Je ne sais pas, un petit problème de l'homme. C'est bon? Amen. Mais quand il apprit qu'Ancaïus régnait à Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Nous tiens Dieu, merci pour ce parole. Père, dans le nom de Jésus-Christ, pour rends-toi grâce, Seigneur Dieu, Papa, pour tes paroles. Je demande que la paix, que la joie, que l'amour, que la grâce, Seigneur Dieu, de la force. Seigneur Dieu, Saint-Esprit, m'accueille à toi. Moi-même, tu m'as pensé captif à l'obéissance de tes paroles. Et tu m'as pensé qui m'aider pour ta vérité de la connaissance, me lier à ta sphère. Seigneur, me lier, tu m'as un esprit de distraction, de lourdeur, de sommeil. Et me déclarer, Seigneur Dieu, que tu vis au peuple. Il doit être ranimé de force par que la grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un qui est à côté de toi, j'ai dit vous comptez sur toi dans la présence de Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Mon père, une petite élaboration. Et que là, la Bible dit et parle que Jésus-Christ qui sortit d'un village qui m'appelle Nazareth. Amen. Et que mon objet dit Jésus de Nazareth dans ce film et juste tout. Mais seulement, moi, j'ai envie aujourd'hui élaborer, c'est que c'est ma prophète qui me vient tout le temps annoncer. Je veux dire, essayer de comprendre. Que tu es dans entre Malachie ou à Matthieu, il y a environ 400 ans de silence. Mais c'est moi, je veux dire qu'on voit qu'il y a ma prophétie qui te fait dire pour annoncer la venue de Jésus-Christ. Parmi de tout ça, ma prophétie-là, je vous guette quelques-uns pour vous faire un petit élaboration, le film est là-bas. Le livre de Osée, chapitre 11, verset 1, il dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Et je vous oublie dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 15, que là, Jésus-Christ et le papa Joseph et la maman, je dis en Égypte, les là, je dis sorti en Égypte. C'est-à-dire que la parole de la prophétie qui finit réaliser par rapport à ce qu'il finit dire. Et je tiens comprendre que ça m'a prophète qui prophétise ça. Là, c'est des magiques qui vivent 700, 800, 900 ans avant que Jésus-Christ même venait. C'est-à-dire que divinement poussé par le Saint-Esprit, je finis dire maintenant quelque chose. Deuxièmement, le livre de Jérémie 31, verset 15. De trouver que c'est la lamentation, un cri à la main, voici nous tous mes enfants, puis crier, ça démontrait qu'il est arrivé Hérode qui tue tous mes enfants en bas des ans, pendant que Jésus-Christ tirait pour détruire la race de Jésus-Christ, et de détruire et toute ma garçon pour capable de tuer à Jésus-Christ, mais c'est moi, Dieu m'a permis de cela. Le livre est de Ésaïe 53, verset 5, que je tout connais, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ qui nous gagne la guérison. Et je tout connais que comment Jésus-Christ finit meurtri sur le bois de la croix. Toutes ces choses, ce sont ma prophétie qui me réalisait après dans le Nouveau Testament. Frère, qui fait obéir à nous, ça nous a quelque chose à expliquer. Et le livre d'Ésaïe 7, verset 14, je vais subir sur l'écran, il parle que d'une vierge que soit né Jésus-Christ, d'une femme vierge. Et Dieu qui finit annonce à travers du prophète Ésaïe
en avance que Jésus-Christ pourrait être né d'une femme vierge qui était Marie, la maman de Jésus-Christ, et me tenir à vous dire, Marie n'est pas un diété, nous pas adorons Marie. Amen. Et c'est nous bien adorons seulement Jésus-Christ, mais dans la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Le livre d'Ésaïe 9, verset 5, il dit, un enfant nous est né, et Emmanuel, le prince de la paix, tout cela finit dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Le livre de Psaume 22, verset 18, il partageait ses vêtements, il partageait ses tuniques qui étaient au bout de la croix. Quand Jésus-Christ qui a été livré de la croix, nous trouvons que maintenant il partage son manège. C'est-à-dire maintenant tu finis annonce en avance. Je veux dire un dernier maintenant, le livre de Zacharie, chapitre 3, verset 9, il dit que j'enlèverai le péché de ce pays en un jour. Comment un qui gagne longtemps nous caractère, comment nous enlever notre péché d'un jour, mais c'est à travers la mort de Jésus-Christ qui le péché d'un jour, le péché de toute l'humanité a été englouti, lavé, purifié. Amen. Il y a une différence entre le sang de Jésus-Christ qui simplement, et pardon, le sang des agneaux qui simplement couvert le péché, et non, le sang de Jésus-Christ qui lave tout le péché. Amen. C'est un objet pour sa élaboration, là, pour expliquer tout le monde. Il est facile pour penser à Dieu, mais dans la corbeille. Il a aimé, ça a été là la même nuit, ok, mais quand si tu dis, je fais ça, ok, quand on a des marques, pas les soins, le deux là, tout ça a été, mais quand on va le deux là, le deux là, démarrer, tout ça a été là, c'est maintenant, tu couvert, tout ça a été, mais c'est laver, purifier, pénalement, il est resté, le sang de Jésus-Christ qui lave, nous, de tout, nos péchés. Maintenant, frère, avec qui fait opérer, raconte-nous cela, parce que, pour vous vivre dans sa route là, à aucun moment, donne-moi bien, suive-moi, pour parler personne de ça. À aucun moment dans la parole, mais dans aucune prophétie qui peut dire que Jésus-Christ nous sortit de Nazareth. Amen. Mais le secret là-dedans, il est écrit là-bas. Regarde, vous dites, vous faites la Bible, le livre de Matthieu, chapitre 2, le verset 23. Et il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé, pas par le prophète, par les prophètes. Amen. Il y a un secret là-dedans. De quoi la panne, ça secret là-dedans. Amen. Pourquoi il n'est pas fini dire par un prophète, mais par plusieurs prophètes. Ok. Pour me capable d'expliquer ça, nous pouvons parler hier pour me capable de comprendre. Il ne parle de un prophète, mais plusieurs. C'est-à-dire qu'il nous prend les parler de plusieurs prophètes, nous joignent ensemble, les gens nous parlent comprendre que la naissance que Jésus-Christ a habité. Amen. Et ce qui m'a bien envie aujourd'hui, expliquer, c'est que mon rentre dans ce contexte. Et je vous trouvais, vous prenez des trois versets de la Bible, le livre d'Ésaïe 11, le verset 1, il parle des branches, tu dis des branches. Dans la Bible française, il écrit et germe, mais dans la Bible anglaise, il écrit. God, amen. Fin écrit, branche. Amen. Et c'est quoi branche? Et nous voyons d'été. Plusieurs versets de la Bible, mon film est lit, c'est juste une introduction qui vous fait bien faire. Ésaïe et 11, verset 1, Ésaïe 60, verset 21, Zacharie 6, verset 11, Zacharie 3, verset 10, Jérémie 23, verset 5. Je vous trouvez qu'il parle de ma branche. En français, dans la Bible française, il écrit germe. En anglais, il écrit branche. Amen. C'est plusieurs prophètes qui disent, plusieurs qui disent, qui appellent Jésus-Christ branche. Pourquoi branche? Pourquoi moi? Maintenant, nous rentrons dans le message de Carl. Qui fait une branche? Parce que Jésus-Christ, quand nous dit ce parcours, nous trouvons qu'il commence petit et puis il vit grand. Qui va vous dire? Il rentre dans un pays, il naît dans un état, il grandit dans la simplicité. Et là, nous trouvons que le ministère de Jésus-Christ à travers de lui, il y a 12 apôtres à travers de ça, le ministère qui fleurit et l'année. Je vais vous apprendre. Aujourd'hui, maintenant, nous commençons le message pour comprendre que Dieu, son manière de travail, jamais il commence gros petit chose. Tout le temps, il commence petit. Qui fait un appel branche? Parce qu'une branche, il commence dans un petit lagrin, il vient à pied, et là, il commence grandit. Je te rappelle que Jésus-Christ, il dit le royaume de Dieu, il commence un lagrin d'or. Mon métier dans la terre, il poussait le plus petit lagrin, il devient un grand pied, c'est quand même un oiseau qui pose là. C'est ça le principe de la parole de Dieu. Maintenant, le mot branche en hébreu, nous appelons netzer, N-E-T-S-E-R. Le mot hébreu, c'est netzer. Nous tout disons netzer. Vous prenez netzer, vous ajoutez un petit bout en ligne, zaret, netzaret.
Laisse trouver comment le mot branche vient de Nazareth. Amen. Plusieurs prophètes viennent dire Nazaire, quand on a un petit mot de Nazareth. Maintenant, donne-moi bien. Mes frères, mais qui fait au cause de Nazareth qui nous capable de dire Nazareth, soit nous capable de dire Nazareth, nous capable de dire que c'était un endroit que partit d'un grand quelque chose. Qui fait à Nazareth? Pourquoi Jésus-Christ est né à Nazareth? Nous pouvons le dire. Pourquoi Jésus-Christ est né à Nazareth? Jésus-Christ est né en Nazareth parce que Nazareth c'était la plus petite village qui existait au temps des Juifs. C'est dans environ, tenez-moi bien, 15 à 30 dîmes qui vivent dans sa village. Famille. C'est-à-dire, cette famille, dans des dîmes, trois dîmes, c'était environ d'une population 50 dîmes. Imaginez-vous, une place que Jésus-Christ est resté, c'est dans environ 50 dîmes. Frère, il n'est pas biblique, c'est tout petit. Dans la Bible. Vous êtes amen? Allez, ouvrez-nous la Bible. Aujourd'hui, nous guette dans le livre de 1 Jean, chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 46, que Philippe parle avec Nathanaël, et même de toute bonne histoire, et nous parlons de là-dedans aujourd'hui. Amen. Jésus de Nazareth, maintenant je vous reconnais que Nazareth, maintenant. Amen. 1, le verset, on prend lit à partir du verset 45. L'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 45. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui qui est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de David, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Amen. « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon » Guette-moi un petit livre maintenant. Je vous comprends que Jésus-Christ peut refaire. Amen. Ce qui veut prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, Paul dit, suive-moi, pareil que moi me suive l'exemple de Jésus-Christ. C'est la même. Pourquoi, comprends-moi bien, Jésus-Christ, il naît dans plus de quelque chose. Si c'était le Fils de Dieu, de type de penser qu'il devait vivre, né dans plus grand hôtel. Vous prenez l'exemple, plus petit. Quand il vit dans plus petit, il grandit dans plus de la ville. À cause de ça, qu'il m'en a, il dit comme ça, est-ce qu'il de Nazareth est quelque chose de bon capable de sortir? Et je dis, mon vie cause avec les autres. Dans cette salle, nous tombons à zéro. Vous êtes amen? Amen. Nous suivons le parcours de Jésus-Christ. Et quand nous suivons le parcours de Jésus-Christ, il commence petit, il grand. Et je dis, mon portage avec eux, cela. Mon cas cause un petit peu avec ma jeune et mon sujet. Beaucoup de jeunes attendent ce bien garçon, soit un petit millionnaire, vous savez. C'est la plus grande erreur que je fais. Mon cas va continuer. Amen. Est-ce que de Nazareth, capable de sortir de quelqu'un de bon, est-ce qu'il est de bon? Jésus-Christ, il sort de Nazareth. Amen. Amen. Et je dis, mon vie encourage eux qu'il a. C'est ça le message que Dieu a envie de mettre dans cette équipe. Est-ce que, comment tu appelles les autres, je ne connais pas comment tu appelles. Tu peux appeler Sunita, tu peux appeler Irvine, tu peux appeler Patrice. Est-ce que de Irvine est capable de sortir quelque chose de bon? Est-ce qu'il dans eux la vie qui a sorti quelque chose de bon? Est-ce qu'il dans eux qui a sorti quelque chose de bon? Je dis la réponse c'est oui. Amen. Tout ce que même dit quelque chose de bon capable de sortir. Mon cause est que tout le monde qui me décourage ce matin. Ce qu'on dit comme ça, et tout le temps, c'est mon même maladie, c'est mon même problème, c'est mon même. Est-ce qu'il est capable de sortir quelque chose de bon de toi, Zodi? Oui, la réponse est bien oui. Et c'est la raison principale pour que Jésus-Christ vienne naître dans un état. Dans l'état. Jésus-Christ vienne naître, vienne grandir dans le hometown. C'est-à-dire que l'endroit était Nazareth pour montrer nous un petit chose. Le plus petit deviendra un millier et le moindre un national. Moi, l'Éternel, mon roi, ça m'a quelque chose là dans ce métal. Vous êtes amen? Qui Dieu dit à Gédéon? Gédéon, allez avec la force qui t'est là. Ça même tout le principe que Dieu vient dire. Et je dis, si tu ne sentis pas que peine aucune valeur, je dis, le mathématique montre-toi quelque chose. Mathématique, je dis mathématique. Je ne suis pas content de mathématiques parce que pour moi, c'est Dieu qui fait la mathématique. Mathématiques même montre-toi, si tu prends un 0, n multiplié par 0, c'est combien? Allez.
vous êtes faible là. Pas un, non, c'est pas un, c'est zéro. Vous êtes dans le même? Un multiplié par zéro. Mille multiplié par zéro. Zéro. 10 000 multiplié par zéro. Zéro. Quand tu crois plein de zéro, l'un fait plein de zéro. Tu es dans le même? Hey! Est-ce qu'il y a quelque chose de bon capable de sortir dans eux? Je garde bien. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui a sorti dans eux? Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur qui a sorti dans eux? Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui a sorti de Glenport? Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui a sorti de notre famille? Amen. Ce bizarre connaît que Jésus-Christ vient faire tout pour montrer nous le chemin. Et le chemin, c'est quoi? Quand il mot à la croix, il dit ses affaires. Seigneur, tout est accompli. Amen. Et le titre du message aujourd'hui, get to come and tell, yes, I can. Mon capable. Dieu, mon capable. Amen. Et dans le verset, nous pouvons lire aujourd'hui, get to come and tell, yes, I can. Je vais penser que maintenant, je vais le livre de Philippiens 4, verset 13. Le livre de Philippiens 4, verset 13. Je dis, pas senti toi découragé. Je suis capable de faire face, je dis, à quelle circonstance de la maladie. Je peux faire face à quelle circonstance de découragement. Je peux faire face à quelle circonstance de finance. Je peux capable faire face à un gros projet de pas connaître comment tu faire. Je dis, dis un mot pour capable. Dis un mot capable. Et nous voyons ce que la Bible dit, le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 13. Paul dit dans la version française qu'il se dit je peux tout, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais je disais qu'on la version anglaise qui est un peu plus solide. Il dit I can do all in Christ who strengthens me. Je suis capable de faire tout en Christ qui donne moi la force. La force vit en Christ. Dis aux dix mots capables. Si tu as un projet, tu es capable. Si tu as une petite chose pour te faire, tu es capable. Tout ce qui tu es là pour faire, il vous bénit. L'œuvre de ton âme, il vous bénit. Ouais. Pas oublier qui Dieu dit. Dieu dit comme cela, pas ignore ma faible commencement. Et je dis, mon vie, tout le monde dit qui me passe dans ma faible commencement. Je vais redécoller, je ne suis pas capable, je vais refaire des efforts, je vais trouver une issue dans ce travail. On va connaître pourquoi le matin en prière, et un jeune dans cette salle qui fait une application pour un travail, à chaque fois qu'il fait une application pour un travail, il trouve lui hit the wall. Il trouve lui quelque part cogné et tombé. Ils ont dit, Dieu, tais-toi, persévérer. Et il y a quelque chose qui, quelque part, tu as envie, pour prendre un exemple, tu as envie de faire un projet qui, chaque fois que tu veux trouver, tu n'es pas capable. Peut ça commencer, commence par toi, la foi commence par toi. Peut-il venir quelque chose de bon dans de la vie? La réponse est claire, c'est bien oui. Amen. Amen. Tout ce que je veux dire, mon pousseau dit et quelque chose dans moi. Mon projet béni. Mon la case béni. Mon problème résolu dans le nom de Jésus. Amen. C'est pas le temps de décourager, c'est le temps de reprendre. Amen. Et de reprendre pour le Seigneur. Amen. Dieu, il réserve le meilleur pour eux. Amen. Maintenant, moi, j'ai envie d'élaborer des trois petites affaires avant qu'il me découvre dans l'histoire. Amen. Et moi, tu couvres dans cette histoire, moi, j'ai envie de partager ça avec eux pour ouvrir un petit peu de l'intelligence, ouvrir un petit peu de pensée. Mais c'est bon, aujourd'hui, avant moi de l'avant, avant qu'il m'élabore, pour cela, vous mettez une base pour capable d'expliquer une petite chose. Amen. Et la base, c'est là. La base, c'est qu'ils ont besoin de comprendre, c'est que nous pas gagnons tout quelque chose grand et simple. Mais ça vient dans notre planète. Et Dieu, notre Dieu, c'est pas un Dieu qui servit l'ascenseur. Comprends-moi bien. Parce que quand Dieu vient prendre Abraham, qui passait dans le désert pendant des années, Abraham qui quitte ce pays à l'âge de 75 ans. Dieu vient promettre qu'il gagne des enfants, c'est à l'âge de 100 ans. Ce madame qui est là 90 ans, il gagne ses enfants. Combien ce parcours finalement? Comment ça il fait? Quand Dieu vient dire à Moïse, il dit à Moïse, fais-toi un libérateur de mon peuple. Moïse dit, aucun libérateur, ce ne sera que 40 jours, ou 2 mois, ou 3 mois, ou un an et demi. Maintenant, dire comme cela, le parcours pour sortir d'Égypte poil en Israël, ce n'est pas 40 jours, c'est environ 2 ans et demi. Si maintenant il fait sa parcours là, maintenant il passe 40 ans. Pourquoi?
Beaucoup qui quittent pédia comme ça, frère. Mais qui fait pour pas trouver la vie déclenchée? Qui fait pour pas trouver mon bien pour pas bloquer, pour pas aller de l'avant? Et nous voilà prendre une histoire d'un quelqu'un. Et l'histoire de cette personne, il vous ouvre les yeux et vous montre les bons principes de la parole pour me réussir dans la vie. Quelque part, moi, j'ai dit les bons principes de la parole pour me capable réussir. Avec Dieu, paix n'a aucune formule magique. Avec Dieu, il n'y a pas de formule magique. Avec Dieu, il y a les principes. Et les principes, pour être franc avec Dieu, beaucoup de chrétiens manquent les principes. Et aujourd'hui, nous pouvons dans le principe de notre vie chrétienne. Beaucoup comme ça, avec beaucoup d'amour. Pour être beaucoup franc. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas que la parole offensée, mais la parole pour bien et Dieu corriger. Et pour être franc avec Dieu, le livre de Jean chapitre 15, il parle d'un pitié. Et Jean chapitre 15, il explique nous une affaire. Il dit nous comme cela, quand un pied a beau fruit, Dieu émonde, c'est un mot taille, pour lui rapporter plus de fruits encore. Si vous tiens pied, faites-moi dire vous tiens pied, un quelqu'un vient comme ça, taille tous les jours. Vous voyez, moi, vous sentez ça? Une peau d'un fruit, il vient comme ça, il prend un petit bout de la mienne, vous les coupez. On commence à poser des questions, on dit quoi, mais qui fait hein? Vous pouvez rapporter de fruits ici, les couper. Dieu dit, si tu as envie de rapporter plus de fruits, moi, vous coupez encore plus. Parce que, à la fin du jour, Dieu a envie de te rapporter beaucoup de fruits. Je connais pourquoi Dieu a envie de te rapporter beaucoup de fruits. Les saints, parce qu'il te voudrait connaître d'or pour ce fruit. Qui le monde est capable de connaître. Qui existe quand tu as été de 10 bouts, 10 de présence. On va connaître si cela lui est arrivé dans la vie. Mais si cette présence dans une place, il est capable de causer beaucoup de changements. On va connaître si au milieu, dis-moi dans vos familles qui ont appelé la guerre, comment vous pouvez rentrer, et vous pouvez rentrer, et calme. Qui fait? Il commence à absorber, il vient de côté, il commence à se mettre. Pas cause d'Ivonne, pas parle. Prenez un service, pas cause. Régler le problème, mais pas cause d'Ivonne. Pourquoi? Parce qu'il donne nous-mêmes, nous pouvons créer la différence. Amen. Et qu'aujourd'hui, Dieu envie change nous. Amen. Qu'est-ce que tu as à dire comme cela? Nous pouvons prendre quelque chose comme ça. Amen. Vous racontez l'histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon. Pour vous parler d'un bleu de langue et pour vous. Un petit garçon, le biblique, vous donnez toute la référence biblique, tant que je vais demander où vous sortir en dehors de la Bible, c'est le livre de Jean chapitre 6, le verset 8. Ok? Guette-moi. Je vous raconte une histoire. Suivez-moi. Un jour, tu es un petit garçon. Maintenant, à partir de là, Dieu nous va prendre un principe. Tu es là un petit garçon, et ce petit garçon-là, tellement bien. Il est content, tellement de choses, mais tu peux vivre dans l'époque que Jésus-Christ est. Et quand Jésus-Christ commence le ministère. Pardon. Et ce garçon-là, quand il peut tenter tous les jours, il peut trouver un quelqu'un qui peut galoper vers une montagne. Maintenant, il y a tellement de choses, il peut galoper vers aller. Arrive un certain moment, il dit, moi aussi, moi, envie aller. Il est parti comprendre en lui. Mais c'est moi qui dis, laisse-moi suivre, moi, aller. Quand il suit, il allait. Un jour, il trouve un quelqu'un, il est long là-bas, persisé, puis enseigné, quand il peut guérir ça, il peut dire comme ça. Mais il dit, moi, il n'est pas pareil que mon manuscrit, tout ça. Mais qui fait, il aime le qualité. Il cause un petit peu plus avec mon taille, là. Il trouve un petit persisé, il trouve, il monte, il mette. Il cause, il allait, il commence à trouver les bonnes paroles qu'il peut dire. Et il commence à capter. Quand il commence à capter sa main de bonne parole là, il commence à écouter. Amen. C'est pour terminer l'histoire bien dramatique. Hein? Amen. Je suis moi. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il commence à coster avec sa montagne là? Il commence à donner des belles paroles. Il dit comme cela, c'est quelqu'un qui a peur de cadeau de venir de côté de la zone. Il peut dire comme cela, il peut donner une parole, il peut dire comme cela. C'est pour le royaume de Dieu. Mais il donne une parole qui garde fort de soleil. Il dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. Et toute petite chose qui te permet de recevoir l'au-dessus de tout ça, ma petite chose. L'ingote, il donne des autres paroles encore. Il dit heureux ceux qui procurent la paix, quand seront appelés fils de Dieu. Il dit tendre, il dit heureux les uns, parce qu'ils se pourraient vite la terre. Il dit encore, il donne tout ça, ma parole, il dit pardonnez, si tu ne peux pas pardonner, le Père dans les cieux, pas pour pardonner, tant que péché. Mais il commence à s'intéresser, arrive un jour, il retourne à la maison. Quand il retourne à la maison, il peut dire écoute, il peut guetter, il peut trouver quelqu'un qui boiteux finalement. Quand il peut retourner, il dit, vous n'avez qu'à louper, peut crier, il dit, il guérit. Mais il commence, ça commence à faire quelque chose sur la terre. Là, il dit comme cela, moi pour aller.
Quand tu peux aller, il dit vous pouvez vivre là-bas. Mais quand il parle là-bas, je connais qu'il vient faire, il dit comme cela. Je trouve beaucoup de gens qui allaient, suivez-moi maintenant, il est important. Je trouve beaucoup de gens qui allaient, mais c'est pas manette d'ordre pour retourner. Parce qu'il m'en passe beaucoup de temps là-bas. Mais je connais qu'il faut faire, je vais aller là-bas. Mais quand je vais aller, laisse-moi ces soyons de mon Dieu. Mais sinon, je prépare moi. Donne-moi bien. Donc, toutes ces personnes, tu n'as pas de monde qui te prépare. Il dit comme ça, laisse-moi penser à un divin des poissons. Il met ça de ce sac. Parce que pourquoi il peut penser à un petit peu avec des boissons, il met ça de ce sac? Parce qu'il dit comme cela, laisse-moi aller capable de bizarre, un petit manger là-bas, mais si je trouve un petit peu de peine à manger, je suis capable de venir intimider avec moi. Il dit comme ça, il met ça de ce sac, il vient aller, il met ça de ses épaules, il commence à lancer. Quand il commence à lancer, il trouve un aveugle, il peut descendre, il peut venir, il peut trouver ma tête. Je n'ai pas trouvé ma boule de dos, il peut descendre. Il peut parler, il peut guérir, l'autre peut guérir, l'autre peut passer. Il dit, mais qui est cet homme? Il monte quand il y allait, il commence à donner des belles paroles. C'est le kicker, il dit comme ça. Il touche un voisin, il dit, mais qui ça qui est là dans la robe? Il est haut de stature, il paraît plus glorieux. Il dit, c'est Jésus de Nazareth. Le Messie, c'est lui qui veut nous amener. Un autre la voix, il dit comme ça. Pas écoute ça, pas Messie ça, c'est un prophète ça. Pas écoute lui. Mais lui, il garde ce pensée, il vient aller, et il vient manger, il vient aller. Quand il vient coster un petit peu plus près, arrive un certain moment, il vient là. Maintenant, il dit, vous savez, il trouve Philippe et descend. Philippe et dit, renvoyez la foule parce qu'il arrive trop tard. Renvoyez la foule. L'inquiète Philippe, Manap et dit comme ça, il donne un kiken, dit comme ça, mais Manap et n'a mangé qu'il vous donner. Mais qui vous faire? Il coste avec Philippe. Ça peut être Philippe, il dit à Philippe comme ça. Hé, moi, c'est un petit pain et des poissons. Là, Philippe, il prend cela, mon disciple, il prend cela, qui n'a donné ça à Jésus-Christ. Il trouve maintenant l'un ce 5 10 pains des poissons. Rend grâce, descend ça en bas, pantasé, distribué. Ce 5 10 pains des poissons, il finit trouver une multitude de banquiquins qu'il mangeait, qu'il rassasiait. Il dit, hé, pourquoi 5 10 pains des poissons, t'as? Pas qu'on finit. Nous pourrons dans la leçon maintenant. Maintenant, à ceux qui m'ont connu Jésus-Christ, moi m'ont connu Jésus-Christ, c'est pas l'histoire de connu Jésus-Christ. Moi m'ont connu Jésus-Christ, le prince de la paix, le maître de l'univers, il fait multiplier du pain, mais c'est pas fini à 12 paniers qui restaient. À ceux qui m'ont connu Jésus-Christ, pas fini grâce à dans la parole, Jésus-Christ c'est un Dieu de justice et de droiture. Quand il finit rassembler, Jésus-Christ finit dire, parlez sinon on y est perdu, rassemblez tout. Il y a 12 paniers, quand il finit 15 à 12 paniers là, à ceux qui m'ont connu Jésus-Christ, Jésus-Christ va vous donner sa personne. Jésus-Christ dit ça, donne à celui qui finit amène ça. Et il finit prendre 5 10 pains et des poissons et il finit retourner à la case avec 12 paniers. Mes frères et mes disciples, il prend quelques épisodes après, je vous trouvez ce mon disciple. Maintenant, Jésus réprimande Jésus-Christ dit comme ça, pas prendre le vin de ma pharisien. Les gens maintenant, tu fais quoi? Qui quelque part, par contre, je dis, ben, Jésus-Christ réprimande de moi. Je ne vais pas faire trop multiplication. Ça veut dire que je m'anticipe, parti d'un dernier dans une famille, dans un arrière. Tout ce qui peut arriver, c'est ça qui est là, il prend 12. Je t'en viens béni dans notre vie. Nous parlons de l'histoire avec la leçon de ces petits garçons qui vous montrent les autres. Ouais. La première chose que ces petits garçons ont fait, quand ils donnent la parole, ils prennent et mettent en pratique. Amen. Les dire, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout ce qui te couronne de vous n'importe dessus. Tout. Les dire, cherche d'abord. Moi, la case, non. Mon péché aussi, oui. Mais non, laisse-moi prendre un petit affaire en plus pour moi capable de l'être quelqu'un qui dans le besoin. Il arrive là où chrétien arrive égoïste. La première leçon. Nous arrive égoïste. Nous disons pour nous. Moi, les temps. Moi, la case. Mon travail, mon ça, mon ceci, mon cela. Quand vous faire un pas pour le royaume, Dieu permet, mon péché, ça en général, au niveau de l'église, de l'enseigner cela. Et dans le fois, vous mettez un vice dans la poutre, vous êtes frère, vous avez un torche. Un frère, quand vous mettez un vice, frère, mon travail, l'autre ici, le travail. Mais quand vous mettez vice dans la poutre, nous connaissons à l'église, nous finissons d'enseigner, nous pas comme ça. Bon, pour en général, c'est un message qui est en général. Le monde de la chrétienté féminine égoïste.
Peroulé l'ossile de toi, si elle est mouillée dans la pluie, ton chant se parapluie mouille le tout. Laisse-y mouiller, ma mouille. Moi, je suis dans une zone de confort, je vais rentrer, je vais descendre, je vais aller la route. On va aller sortir, moi, les enfants, ils se trouvent fermer la route, je vais mettre le parking. Pas si ça, je vais mettre le parking là d'une façon pour les autres, si pareil, pour facile sortir. Moi, tout le temps. Mais regarde ce garçon-là, il ne pense pas pour lui. Parce qu'il ne pense pas à un garçon pour m'enseigner qui fait des postes. Je ne pense pas. Si tu es là pour manger, tu peux aller pour venir, tu prends un petit pain et la moitié poisson. Il pense pour les autres. Pour qui tu as envie. Tu as envie de finances bénies. On dit que tu es grave pour manger. Peut-être la même. Il pense pour les autres. Il pense pour les autres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il met en pratique. Il fait ce parcours, la persévérance. Malgré les autres pétiers, ceci, cela, il persévère jusqu'à Jésus-Christ. Mais maintenant, mon bruit, au centre de son message à mon vie, c'est que Dieu peut envie pour la zone. Et c'est que Dieu peut envie pour la zone qui te l'amène pour le Seigneur ce matin. Il n'a une petite chose. Et comme moi bien, il y a quelqu'un qui multiplie ça. C'est Dieu qui multiplie. Amen. Toi que Dieu s'est amené et Dieu multiplie. Amen. Mon capable cause une petite affaire concernant la discipline de l'Église. Au bout franc, au bout direct, et avec beaucoup d'amour, avec un sourire. Parce qu'il y a beau temps. Une semaine de travail. Nous gagnons tout qui se Dieu protège. Le Seigneur protège-moi, oui. Seigneur, demande-moi ça, oui. Oui, oui, Dieu, donne-toi. Mais quand arrive dimanche, qui te n'amène pour mon Dieu? Et me tenir à vous dire, je ne parle pas d'argent. Cette église, je gagne une base. Les bons nous portent à l'argent, nous devons vous vivre loin, qui te prie important. Qui te n'amène pour mon Dieu, son Dieu? Qui te prépare le matin? Qui te garde le matin? Est-ce que nous vivons l'église le matin, c'est juste un coutume, ou pas juste un linge de moi pour vous? Soit te prends-tu la prière, Seigneur, vous permettez de me la prière, vous demandez-toi quand vous venez, vous priez toi pour mon frère, mon ancien qui nous tue, car louer, adorer, exalter de nous ensemble. Ce qui va vous parler aujourd'hui, c'est le fruit de te la lèvre et de te l'équerre. Amen. Qui nous appelle la louange, l'adoration qui te fait prendre, te fait à l'église. Si nous tous, chacun reste un côté, ne pas prier, ne pas mettre les guerres ensemble, tu te connais qui va arriver, qui te sera pour éloger. Mais, si nous tous nous prenons les guerres, nous disons aujourd'hui, moi j'ai un petit louange et une petite adoration pour bien mettre envers Dieu. Une semaine, Dieu protège-moi. Aujourd'hui, je vous donne toute la gloire à mon Dieu. Je prends mon petit qui te sera pour quand petit qui te sera pour nous faire ça devant Dieu. L'église la même offert ça devant Dieu. Un qui quelqu'un moi bien. Un qui quelqu'un moi bien. Tu es capable pour te frère, te serre à côté de toi, décourager. Quand tu commences à louer, adorer, tu commences à lever tout la main. Pas oublier. Ça de witness, tu connais qui nous veut dire. Ça l'option qui dans toi la communique dans lui. L'ici, il y en a, tu goûtes et l'ici, il y en a. Et un dans ma raison qui vous partage à toutes les personnes. Soyez à l'heure à l'église. Parce que pourquoi quand nous venons recevoir la parole de Dieu, c'est juste pour recevoir. Mais le thème du message, c'est qui nous venons donner. Avec l'amour, nous expliquons ça. Qui nous venons donner. À cause ça, pour moi, c'était là pour dire à mon frère, un moment mettre pendant 45 minutes pour aider à temps, mettre 10 bouts de poids d'eau, mon Dieu, pour vous faire dire, parce que pourquoi c'est pour l'offrande envers Dieu. Amen. Et là, qui est capable, les médicaments, il a un petit problème, oui, vous comprenez. Mais là, on parle de critiquer, nous qui encourager. Si Dieu vit mettre ça dans mon équerre, on ne peut ni dans gauche ni dans droite. Mais mon but dire, c'est que Dieu vit mettre dans mon équerre parce que c'est son message. Si c'est son message, si moi, je ne peux pas dire son message, je ne peux pas dormir bien tantôt, moi qui pourrais rester. Je te rentre la case, je peux dormir, je passe toute la semaine, rien. Il pourrait être mauvais rincé parce qu'il ne faut pas dire ce qu'il n'a pas pour dire. Et le besoin de dire, et cette église nous dit dire, que ce soit un héros qui serviteur, quand il a pour dire la vérité dans l'amour, nous dire la vérité, pour enseigner, pour diriger, pour guider le peuple que nous invitons. Mais qui te vit, amène vers Dieu, vous posez des questions, chacun d'entre eux, répondre même chacun d'entre eux.
qui se saint divin de dévotion. Côté était. Il y avait Dieu. Parlez pour moi. Vous parlez pour juge personne. Hein? Loin de là. Loin de là. Nous parlons pour une six personnes. Mais qui te fit apporte au Seigneur ce matin? Et un de ma raison me terminer. Un de ma raison, frère, pour pas pour moi la vie est bénie. Pour moi, la grande question. Et mon papa, Père, vous dit, qui te s'aimait plutôt récolter. Frère, vous trouvez béni au travail, vous avez une promotion, vous trouvez tous les jours à vivre bien, vous mangez bien. Moi, je struggle, mon papa est capable. Parlez ça, monsieur Randa, vous voulez qu'il y ait fais ça. Vous pas capable, vous plantez la graine diable, ou bien vous regardez comme d'amour. Et quand tu m'as dit une jolie pomme d'amour, le soupir ou salou. Quand tu salou, résalou, libre de la voix. Moi, on a pas d'affaire bien bonheur dans le ministère. Bonheur, on a pas d'affaire bien serviteur du port d'assez. Plus vous salou, moi, plus vous allez là. Où pour respirer? La jalousie, c'est une grande obstruction dans où la vie. Ça, qui est qui vous fait salou là, ou continue salou, il faut aller plus de la voix pour respirer pour les yeux. C'est comme si vous fouillez un fou. Ou bien ta vie tombée ou même pour te donner. Amen. Comment se fait-il? Et Dieu a envie de s'appuyer une branche aujourd'hui et Dieu a envie de dire, est-ce que l'église de Seal Church lui prêt pour commencer sème ce man la graine? Lui prêt pour commencer sème le meilleur qui est là. Le meilleur le fruit de mon année, me prépare-moi, me mette-moi là-bas. Pas oublier qui Dieu qui attend de 5 divins que des poissons pour multiplier lui dimanche matin. Bon, pas dire dimanche pour ça, pour 5 divins, les poissons finis. Je vais comprendre qu'il faut que vous ça. Et même, qui notre vie parmi la vie de routine. Qui la vie parmi la vie de routine. Mais la vie vivante dans la parole de Dieu. Amen. Il y a de la vie faux, puissant. Amen. C'est un de mes raisons qui fait quand je viens dans l'église, je gagne sommeil. Je ne parle pas de cause. Merci. Amen. Amen. Je t'en prie. Ou pas prévoir ou vivre dans la réunion, ou venir ou lever dans la tête parce qu'il a mis une routine, mais c'est une routine pour. Quand parole là peut prêcher, et je connais comment les hommes des serviteurs de Dieu payent sa prière dans une semaine pour être serviteurs. Pleurer avec bon Dieu, pour donner la parole nécessaire. Et je connais qui plie problème quand fini, quand mes salles finissent de tout dire, qui est fait prêcher dans le monde? Parce que paix dans la préparation, paix dans le focus, parce qu'il vient à l'église, il n'arrive l'air pour finir de tous les cœurs. L'église, c'est pas une place de routine. C'est une place que ça gosse son âme, il arrive, il trouve ce miracle. Et on termine sur cela, il avait 5 petits pains et des poissons dans la justice de Jésus-Christ, il finit 12 paniers. Et ça, 12 paniers, c'est 12 paniers de bénédiction qu'il vient prendre, il retourne sur la carte. Et donne-moi bien, ce sont les 12 paniers de bénédiction qu'il vient manger une semaine. Si vous venez dans l'église, vous venez dormir, mais qui vous pensez ça? Camille, c'est seulement, et la Bible dit, c'est la fausseté qui va franchir. Vous connaîtrez là, et la vérité vous affranchira. Amen. Il y a pourtant. Parce que Dieu qui en vit, qui chaque son peuple, il prend sur le front et il amène dans sa présence pour lui multiplier. Et me termine une dernière petite chose. Et la dernière chose, c'est que mon capa franc, mon fils pose, mon Dieu, beaucoup de questions. Père, pourquoi ne plier dans le mouvement apostolique comme à longtemps?
avec des signes, des miracles, des prodiges. Nous mettons les genoux, on va nous chercher, nous demander, nous dire. Et mon finger, la réponse, c'est que le peuple ne se pas intéressé. C'est ce qui se serviteur pour Dieu. Je finis juste avec la routine. Je connais si nous mettons les, nous capables de mettre un challenge. Je parle de challenge avec moi. Nous capables de mettre un challenge. Dimanche prochain, quand vous venez, si tout le monde dit ok, nous les trouvons un handicapé, un aveugle, un quiconque, traverse la route, galoper, aller, à ce qu'à la Marie, galoper, retourner, glorifier le nom de l'Éternel. Si tout le monde met la tête pour trouver ça, Dieu vous dit ainsi soit-il. Amen. Il arrive l'air maintenant, l'Église. Sortis dans nos zones de confort. Sortis dans nos manières de penser. Ça qu'elle peut exister pour lui. Mais l'histoire, la leçon de sa grâce, on a vu démontrer nous la grandeur. Et pas oublier, tellement bien, la blocage financière dans la vie, c'est que ce papa cherche premièrement le royaume de Dieu. Ce papa cherche dernièrement le royaume de Dieu. Si tu cherches premièrement le royaume de Dieu, tout ce qui te redonne, tu peux gagner. Pas juste ça, au-dessus de ça, tu peux gagner. Why then above all it? Beaucoup plus qu'ils ont. Vous êtes la même? Amen. Pourquoi vous ne laissez pas une des expériences ça? Je prends un témoignage sain. Un témoignage sain. Pour être capable de montrer ça. Il s'agit d'un homme de Dieu. Grand-mère, il peut dresser ce linge. Ce carreau est taille en place. Taille. Le cas de faire, mais pas le carreau qui peut raconter le carreau. Moi, j'explique comment Dieu répond à la prière. Car on est taille, papa connaît qui vous fait un passage, poil. Et ça n'est là, c'était pour du taille. Quand on voit le carreau pour garder notre voisin, carreau, pas pour qu'un voisin des pieds, ça marche le carreau. Dans fraction quelques secondes, la porte est tapée, elle dit qu'on est carreau, dans fraction seconde. Comment se fait-il cela? Les saints, si cet homme filmait sur la vie droite et il démarche en volonté de Dieu, Dieu va écrire tout ce qu'il y a. S'ils ont envie, mangent dans une vie miraculeuse, dans la vie inarrivée. Pour nous orienter vers cela. Personnellement, j'ai envie de présenter ça, tu dis content, t'acclamer, réjouir, être content. Personnellement, j'ai envie de faire. Mais pas moi qui décide ça, malheureusement. Amen. Mais qui aujourd'hui, qui sont capables de remettre eux-mêmes. Comme ça, gosse, on a obéir, persévérer, prendre quelque chose, pas pour lui, pour les autres. Et quand tu retournes la case, tu prends 12 paniers. Amen. La leçon de sa gosse. Et aujourd'hui, vous terminez, vous priez matin, que chacun d'entre nous, nous sommes petits, mais au-dedans de nous, donne-moi bien, on résume le message. Dieu envie, servis-nous pour faire ma grande quelque chose. Amen. Peut-il venir quelque chose de bon de ta vie? Oui. Peut-il venir quelque chose de bon dans l'époque? Oui. Peut-il venir? Amen. Peut-il venir quelque chose de bon de Seal Church? Amen. Ah, c'est ça. Peut-il venir quelque chose de bon de Seal Church? Amen. Peut-il venir quelque chose de bon dans cette vie? Amen. Peut-il venir quelque chose de bon dans cette semaine? Amen. Est-il venir quelque chose de bon dans ton projet? Amen. Peut-il venir quelque chose de bon dans tes finances? Amen. Peut-il venir quelque chose de bon dans ta santé? Amen. Arrêtez. Ça, la santé casse-cassée là. La santé là pour redresser. Cherche premièrement le royaume de Dieu avant toutes choses. Et Dieu vous donne ta vie. Amen. Nous disons à Dieu merci ce matin. Amen.